Salut à tous, il y a environ un an, je vous avais fait une petite vidéo sur l'impression 3D que je vous conseille d'aller voir en fin de cette vidéo pour un complément. J'avais dû rendre malheureusement cette imprimante par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir une de nouveau, la même, qui vient de chez eMotion Tech. Nous allons faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire en impression 3D. On va réaliser plein de trucs, yes! Et on commence aujourd'hui avec les armes imprimées en 3D. Armes blanches surtout, kunai, shuriken, couteau, et arbalète aussi, tiens pourquoi pas, même si c'était pas une arme blanche. Ouais. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ne possèdent pas d'imprimante 3D, et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je réaliserai une vidéo d'impression 3D sur cette chaîne, eh bien j'organiserai un petit concours dans la foulée sur ma page Facebook pour tenter de gagner une pièce que j'ai imprimée dans la vidéo. Sur la page Facebook. Aujourd'hui, on va partir sur quelques petites pièces sympathiques comme ceci. Non, ça c'est pour plus tard. Excellent. L'intérêt de montrer des impressions d'armes blanches surtout est de voir à quel point l'imprimante 3D peut être précise. Car pour un shuriken, les bords doivent être inévitablement hyper fins pour simuler la lame. Bah oui, forcément. La deuxième chose intéressante avec les armes imprimées en 3D est que souvent il faut les monter. Ça nécessite donc d'imprimer plusieurs pièces qui constitueront le résultat final. Comme avec cette incroyable arbalète dont le modèle 3D a été réalisé par un certain Stone. Stone, ok. Il y a donc toute l'arbalète, et ensuite la détente à insérer et à fixer avec une vis. Deux épingles à cheveux viennent se loger dans les trous. Clairement, ce modèle est très bien pensé. Pour les détails techniques de l'impression 3D, encore une fois, je vous conseille d'aller voir mon ancienne vidéo où je dis tout. Mais je précise tout de même que j'imprime avec du plastique ABS. C'est du thermoplastique qui fond entre 220 et 260 degrés. C'est d'ailleurs la température à laquelle monte la tête d'impression avant de lâcher les filaments de plastique. Filaments qui sortent à une épaisseur de 0,25 mm. Alors, je ne fais pas de 3D ou plutôt que des modèles assez basiques. Pour tout cela, je peux les récupérer sur le site Thingiverse, qui est un site de diffusion et de partage de fichiers 3D pour impression 3D. C'est énorme et il y a moyen de trouver tout ce que vous voulez. Voilà le résultat de tous les shurikens que j'ai imprimés. Dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré. Timelapse. Ces modèles d'armes ne sont pas spécialement dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne coupent pas, ne sont pas tranchants ou puissants pour l'arbalète. Bien entendu, ils sont pointus, donc ils picotent. Mais c'est tout, et heureusement d'ailleurs. Encore une fois, c'est surtout pour la décoration. Dans tous les cas, je mets tous les liens des fichiers 3D dans la description pour les curieux. J'aimerais remercier eMotion Tech sans qui cette vidéo et les futures vidéos d'impression 3D sur ma chaîne n'auraient pas pu exister. Je vous laisse leur site dans la description, il y a plein de modèles intéressants à aller voir. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve sur ma page Facebook, le petit concours va avoir lieu dans quelques jours. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum si elle vous a plu sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Vous connaissez la chanson. Eh bah oui. La boutique de t-shirts possède une fois de plus de nouveaux modèles. Oui. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt car la science n'attend pas.